Bonjour à tous. La dernière fois, c'était un conseil sur la pastille hein, pour contrôler l'indice de glycémie. Cette fois-ci, eh bien, c'est l'insuline. Alors, l'insuline, suivant un programme transmis par le diabétologue, eh bien, vous devez vous injecter de l'insuline. Moi, c'est 4 fois par jour. 3 rapides, l'orange. Une lente, la grise, que l'on met la nuit en général, qui dure 24 heures. Et celle-là, eh bien, c'est 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Et à chaque fois, celle que vous faites le matin, elle agit pour le midi, elle agit pour l'après-midi, et celle que vous faites en début de soirée, elle agit pour le soir, et chaque fois, donc, à prendre de préférence avant les repas. Donc, on est le matin, je vais faire celle-là, comme ça vous voyez un petit peu, donc voilà, vous avez une protection. Vous enlevez, c'est très facile. Moi, je dois m'injecter ce matin 15 doses, voilà, ça s'arrête à 15. Donc, pas du côté où j'ai la petite pastille, mais de l'autre côté, voilà, hop, vous allez voir, c'est superbe. En général, juste dans le haut du muscle, vous piquez, vous appuyez, vous comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous l'enlevez et c'est fait. Voilà, insuline injectée, vous refermez et vous mettez au frigo. Vous faites la même chose le soir. Alors, j'ai aussi le médicament magique. Voilà, l'Ozempic. J'en ai trouvé. Voilà. J'en ai pour quelques semaines. Donc, pareil, l'Ozempic, là, c'est à mettre une fois par semaine. Vous avez, c'est très bien fait, un petit tableau. J'en ai mis le 30, le 6. C'est à prendre une fois par semaine. Et là, c'est pareil. Et ça n'a aucune incidence. Donc, vous avez le stylo. Vous avez dans une petite boîte 4 pastilles. Voilà. Il y en a 4, j'en ai déjà fait 2. Je prends la troisième, j'enlève. Voilà. Je vais fixer l'aiguille sur le stylo, parce que là, c'est à utilisation unique, hein, une seule fois. Voilà. C'est bien mis. J'enlève le petit protecteur également pour l'aiguille. Et là, c'est 1 mg. Donc, très facile également. On tourne jusqu'au moment où le 1 apparaît. Voilà, le 1 est là. OK. Et là, pareil, il n'y a pas de souci. On peut le faire dans le bas du ventre, ça marche également très bien. Mais pour que vous puissiez le voir, eh bien, pareil, je mets au-dessus. Hop. Voilà, clic, c'est fait. Je compte jusque 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, et j'ai ma dose d'Ozempic pour toute la semaine. Pareil, c'est pas la peine de remettre le capuchon là, évidemment, parce que je vous le disais, elle est à dose unique. J'enlève l'aiguille. Voilà. Je garde le stylo. Et ce sera pour samedi prochain. Et je vais marquer sur la boîte qu'elle a été faite aujourd'hui, donc le 12 du 1, 6 plus 7, 13 du 1. Voilà. Donc ça, c'est une fois par semaine. L'Ozempic, médicament miracle, qui malheureusement a été un peu détourné par des gens qui veulent maigrir, parce que ça coupe l'appétit, c'est vrai. Je teste depuis pas mal de temps, ça coupe vraiment l'appétit, et ça permet eh bien, d'avoir moins faim, et effectivement eh bien, de perdre du poids. Mais au départ, c'est prévu pour les diabétiques. Donc, laissez ça aux diabétiques. Allez, à bientôt. Donc, vous savez comment marchent les injections d'insuline et de l'Ozempic.